Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc pour cette vidéo, c'est inscrit dans la description de ce que c'est. Si elle vous plaît ou si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu. Je vous remercie encore de regarder la vidéo. Bonne lecture. Bon, on fait quoi? Des bêtises ou des conneries? Yaki, c'est un délinquant, hein, ils font je regarde Yaki. Ouais, bah, je crois qu'il n'y a pas vraiment. Une arme de poing ou quoi? Oui. J'ai une idée. Voilà. Oh là, ça sent la merde. Ça sent la merde pour toi. Parce que quand Thibaut dit qu'il a une idée, ça sent la merde. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça qu'il a compris du coup. J'ai une idée du futur. Vas-y, on tire sur qui? Personne. Je vais aller braquer une station. Ouais. Je vais prendre le pupou de quelqu'un là. Ouais. Et vous allez rester tous derrière la supérette là, derrière la station. Ouais. Toi, t'as fait te manger toi. Ah, tu veux que on se barre dès qu'il y a les flics? Et non, il y a que moi qui se barre et vous restez derrière. En fait, au moment où il y a les flics, celui qui braque derrière, il va s'écarter. Et derrière, ça roule vite là. Ah, mais t'es fait déjà. Donc au moment où les flics arrivent. Enfin, vous écartez du point de braquage, comme ça, ça va sonner. Et moi, je me barre en courant dans la voiture et je me barre. Comme ça, ils vont prendre un refus d'obtempérer. Et vous, ils vont pas vous choper. Bah, si, s'ils sont 36 000 flics, et il y a une patrouille. Il y a toujours une voiture qui arrive avant les autres. Ouais, bah après, toi. Je le sens pas ta connerie. Oh, mais non, mais non, on part pas. Bah. Garde-toi. Attends, moi j'appelle la police, Non, j'appelle la police, ça n'a rien à voir. Non. Ça n'a pas rien à voir. Si, moi j'ai rien à voir, je pars pas en prison. Non, je pars pour vous. Arrête-toi et pars en courant. Mais nous, c'est l'agent. En courant, j'ai toutes mes chances contre 4 voitures de flics. Ouais. Mais c'est l'agent, ça n'a rien à voir. Aidez-nous. Oh, purée. Il t'a tapé? Oh là là. Mais pourquoi c'est dedans? Bah oui. C'est bon, on va nous voir tous les flics sur le dos. Je vous entends plus. Oh, t'inquiète pas, refus d'op, c'est pas de la prison normalement. Non, refus d'op en plus, c'est pas de la prison. Ouais, j'envoie à l'aide à la police. Mais bon, c'est une amende, j'ai plus d'argent moi. J'appelle la police là, j'en dis qu'on a rien à voir. Mais je console, je veux dire qu'on va sortir le véhicule dès qu'on peut. J'ai plus du tout d'argent. Bonjour monsieur, y a mon collègue qui est parti en fuite d'intempérie dans la voiture, mais nous on a rien à voir. Vraiment qu'une lopette pour. Attends, si tu pouvais vendre ta mère pour te faire arrêter, tu le ferais. Moi mon collègue, je sais plus c'est qui. Tu t'appelles comment le conducteur? Jean-Sébastien. Tu te fous de moi, Jean-Sébastien, il m'a dit. Et il conduit la voiture de mon collègue. En fait, dedans il y a monsieur Adrien Viper. Il y a Tixier. Petit, et il y a Chloé. Tixier. Comment? Tixier! Fessier! Non, pas Fessier, mais il est con! Je comprends rien! T'es tous de ma gueule, j'ai peur! Et le conducteur, c'est pas nous, monsieur, je sais pas. Je sais plus c'est qui. Il dit que c'est Jean-Sébastien. Et du coup, on est dans la voiture là, on a rien à voir, mais dis qu'on peut, je saute. Je ne suis pas Chloé Fessier! Bah oui, mais arrête-toi, s'il te plaît! Arrête-toi! Tu veux t'arrêter, Jean-Sébastien? Mais ils sont derrière moi! Je m'arrête! Il a dit non, ils sont derrière mon cul, je m'arrête pas. Bah, moi je vais essayer de sauter, monsieur l'agent. Donc si vous voulez essayer de venir, si je survis pas, vous direz à ma mère que je l'aime. Vous direz à ma mère. D'accord, merci. Oh le bordel! Il transmet à ses collègues. Ah, c'est déjà bien. Faut qu'on essaye de sauter comme ça, au moins il y a peut-être des unités qui vont. Non, une lopette, toi, c'est juste. Mais non, mais t'as rien compris! Mais toi, t'aurais pris genre. genre que dalle, t'aurais pris genre 100 000 euros d'amende! Et alors, j'ai plus de sous! T'es une lopette! Tu crois que Chloé, elle a de l'argent? Non! Espèce de lopette, moi! Mais non, mais écoute, quand il y a du beaucoup de monde, quand il y a beaucoup de monde, il y a de là derrière toi, tu vas t'arrêter, tu nous lâches un par un, on va courir. Non, et je m'arrête pas, ils vont me tirer dessus! Mais quand tu te freines là, moi je saute, et le comment truc c'est que. Bah, c'est sortir, mais. Tu fais éjecter. Et le truc, tu fais un par un et ils vont nous suivre, nous aussi. Donc, tu vas avoir une unité ou deux en moins. Et après, tu te débrouilles.
vous dites quand ils ont tapé. Réflexion, hein. Enfin, pas tout de suite, parce que pas quand ils roulent, parce que sinon tu meurs. Pas très vite. En fait, là, tu vois, par exemple, là, t'aurais pu, tu vois, par exemple. Quand c'est vraiment fin. Ouais, non, fais-le, fais pas, fais-le quand il est à l'arrêt, parce que. Non, mais elle a les problèmes de cerveau, avec ses problèmes de cerveau, elle va mourir. Je vais le faire, je vais le faire. Au moins, les polices, ils vont venir m'aider. Les polices, bah ouais, les polices, ouais. Les polices. Mais sinon, arrête-toi. Ils vont pas t'arrêter, hein, en cas où. Oh putain, ça crampe, ça voilà. Qui fait chier, ça. Putain, c'est qui m'a fait ça? En train de faire du caca, là. Oh là 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 là, bizarre. Dis qu'il roule moins vite, moi je saute, hein. Je vous dis quand je saute. Hein. Vibe, tu sautes Non, non, j'ai pas envie de mourir, moi. Bah, je tiens ma vie, moi. C'est ça, ils vont nous tirer dessus. Louis, fais-moi une facture de 300 000. Comme ça, tu peux payer ton amende. Je sais pas comment la faire. Tu vas dans là où tu as ton argent. Ouais. Tu fais facture. Facture reçue. Fais facture reçue, oui, peu importe. Une fois que tu sais, t'es dessus, tu fais créer. Attends, je fais une nouvelle facture. Mais là on va prendre trop cher. Tu me fais créer. Le dessinateur, je fais à qui? Tu mets Thibaut Sanchez. Laisse-moi descendre. Jean-Sébastien, je vois pas. Descendre. Attends, c'est quoi? Thibaut Sanchez. Vers la fin, il est tout à la fin, il est rangé par ordre alphabétique dans les papiers. Ouais. Thibaut Sanchez. Ouais, montant, je mets combien? 300 000. Envoyé. Arrête-toi! Tu l'as envoyé? Ah ouais, c'est bon. Ouais. Attends, je vais faire ça sur une ligne droite. On va avoir mal. Vous savez que là. Et là on prend complicité de. On prend rien, de on peut pas descendre sans atteindre un autre vie, c'est ça le problème. Complicité de meurtre, on prend. Mais non. Il n'y a pas une meurtre, on a tué personne. Bah non, bah l'ambulancier qui a volé et qui a perdu la victime et qui est dans le brancard, là, il y a un train tourné derrière. Comment je l'ai payé, comme ça t'as quoi payer ton amende. Bonsoir Papy Ourson, bienvenue. Ah, toujours en train de faire des bêtises, oui. Tu peux sauter? Non, on peut pas. En tout cas, ils sont plus que deux, je crois. Bah, les autres viennent pas, ou ils sont sur un braquage, ou alors sur autre chose, mais on a que deux patrouilles au cul. Appelle la police, c'est que j'ai pris à partir. Une ligne droite, mais non, bah ils m'ont dit, ils s'en occupent. Ils s'en occupent, une balle pleine tête, tu sais, t'as rien compris. Vous appelez ça, ils savent qu'on a rien à voir. Va sur paradis, tu fais une putain de ligne droite comme tu fais là, et ah bah non, ça va, y a plus de pont. Il y a plus de pont. Le problème, c'est que. Si, la grande ligne droite, paradis, Lakeside, tu peux. Ah, mais le problème, c'est que pour remonter sur Palme, bon courage après, il faut freiner. Mais là, sans que deux, oui, mais sans que deux là. Non, mais tu pars. Tu passes pas. Oh non. Bah barre-toi. Hein. Non, pas toi. Pas toi, Chloé. Chloé, pas toi. On bouge plus. Ouais, on bouge pas, vous inquiétez pas, je sors, ma collègue. Le passager, vous sortez également? Oui. Qui conduisait la voiture? Bah, c'est celui qui vient de se barrer. C'est bon, on l'a. Et j'étais pas d'accord pour le refus d'obtempérer, monsieur l'agent. Mon collègue, il vous a appelé d'ailleurs. Véhicule interpellé, conducteur est parti à pied en courant, il a été interpellé, les trois passagers également. J'ai dans ma culotte. Ouais, moi aussi. Monsieur l'ambulancier, il va bien ou pas d'ailleurs? Ah, monsieur l'agent, monsieur l'ambulancier, il va bien ou pas? Oui, personne n'est blessé. Ouais. Ah, ouais, ça et va. Vous, ça, surtout ah, oui, ça va. Bah, on n'avait pas trop le choix, on pouvait pas descendre, sinon on tient notre vie quand même. J'ai eu très peur. Hein. Ah, bah oui, moi j'ai plus que peur. Hein. Là, on a eu la portière, elle est morte. Il faut changer mes vêtements là. Il est mort, là. Ah, quoi, bon, ah bon t'as... C'est la culotte, non, que tu vas changer? Dans ma culotte. Je vais éteindre la batterie hein, parce que là. Ah, il sait pas conduire, j'ai cru que j'allais mourir. Comment? Il est en train de clasher Mary. Il va m'insulter. Petit voyou! T'es un petit voyou! Ah, je s'amuse, je l'ai pas touché. Oh putain, mais il a beau. Oh, il a beau. Ah, on a vu l'ambulance voler, ouais.
Elle est recul. Bah, je l'ai esquivé de peu, hein, la main imprudente. Non, mais c'est rien, mais crottez vos yeux, vous, hein, je vous le dis, hein, parce que. Bon. Ouais, pensez. Vous avez un repère kit parce que s'ils nous laissent le véhicule. Bah, j'en sais rien, est-ce qu'ils vont être gentils ou pas? Bah, si, on a rien fait, nous. Non, mais pour le repère kit. Ah. Non, on a rien à voir. Je pense pas. T'as rien à voir, vous? Bah, non, on vous a appelé. Il a appelé. J'ai attendu un moment pour sauter du véhicule, mais il roulait toujours trop vite. J'ai appelé vos collègues, j'ai envoyé à l'aide. Je lui ai dit de s'arrêter 50 fois, Jean-Sébastien, mais... Et moi, j'étais pas d'accord qu'il parte en refus d'obtempérer, hein. C'est lui, absolument, il voulait pas se faire arrêter. Ah, mais sérieux, et vous faisiez quoi avec lui sol, on bah, on était à l'hôpital. On était allé ce qui ou prendre des médocs, je crois, si je dis pas de bêtises. À The Fall Church. Mmh. Ouais, tous les... Après, il est monté. Voilà. Ouais, tous les quatre, on était... Vous avez été en détention avec monsieur? Oui, ça remonte, mais monsieur... Ça remonte. Bah, monsieur n'était pas en détention avec nous, il s'est évadé. Il s'est évadé? Oui, mais nous, on n'était pas avec lui. Évadé, oui. Vous êtes bien au courant qu'il s'est évadé. Ah non, moi j'étais pas au courant. Véhicule. Bon, ah, mais je savais pas que c'était lui. Monsieur Viper, il s'appelait déjà pas. Ah ouais, bah j'y peux rien, monsieur Viper. Ah, moi j'étais pas au courant, il me l'a pas dit. Hein. Monsieur Sanchez s'est évadé de prison. Bah, je savais pas que ça s'appelait monsieur Sanchez, c'est votre collègue qui l'a appelé monsieur Sanchez à l'instant là, depuis le truc. C'est pour ça que je vous dis que c'est évadé. Il savait pas. Bah non. Il a dit que ça s'appelait Jean-Sébastien. Ouais. Comme c'est monsieur Viper pour regarder la vue, on peut prendre le total et tu peux gérer les DP. Ah mais c'est ma voiture, hein. C'est la voiture monsieur Viper. Oui, c'est ma voiture. Pardon ? Il vous l'a volé ou pas ? Non, il me l'a pas volé, il l'a conduit à la base avec. J'ai pas dit qu'elle était volée. Mais c'est lui qui est parti en refus, moi je voulais pas. Et oui, mais il a demandé d'essayer le véhicule, on dit oui, et d'un coup il dit police, et lui, monsieur, il arrive devant nous pour mettre les gyros, et d'un coup il se barre. Il se barre. Et moi je voulais pas qu'il parte en refus d'obtempérer. Moi j'étais pas au courant qu'il était... J'étais pas au courant qu'il avait fait une connerie, hein. Parce que là, vous allez repartir librement du refus de tempérer, d'accord ? Vous avez rien fait. Mais soyez prudent, monsieur Viper. Ah ouais, bah je vais être prudent par la suite, hein. Ouais. Parce que je doute fortement, mais très fortement, que vous n'étiez pas au courant que monsieur s'était évadé de prison. Moi, je sais pas. Et vous pourrez venir avec nous pour une complicité d'évasion de prison. Donc soyez prudent. Et nous, on n'a rien à voir, nous. Et montez pas avec n'importe quelle personne. Non, je fais pas monter n'importe quelle personne, c'est plutôt ça. Montez pas avec n'importe quelle personne. Voilà. Et ne prêtez pas votre véhicule à n'importe quelle personne. Oui, mais ça je le ferai à l'avenir. Oui. Là, vous pourriez prendre gros, quoi. Oui. Je suis absolument pas au courant. Ah, bah, tu vois, on le sait. On l'a détruit. Ah, mais non. On l'a détruit. Bah, logement détruit. Hein. Bah, non. Ouais, bah, faire comment un refus d'obtempérer, mais c'est pas lui le propriétaire. On vous laisse la carcasse. On a été victime de lui. On récupère tout ce qui vaut de la valeur, nous. Puis après, Non, mais ils vont pas la détruire. Parce que s'ils veulent la détruire, il faut que tu parles en complicité. Ce qui n'est pas le cas, vu qu'on vous a prévenu à la base, vous voulez pas qu'ils partent en refus d'obtempérer. Donc elle ira juste en fourrière, c'est tout. On vous aurait pas prévenu si on était. Bah oui, mon collègue l'a appelé le 17. Il a envoyé un message et il a appelé. J'ai dit de s'arrêter à Jean-Sébastien. Oui, il avait dit à la base qu'il s'appelait Jean-Sébastien. Et après, votre collègue a dit que c'est monsieur Sanchez là qui lui gueulait après la vitre. Mais nous, on a demandé, on lui a demandé 40 fois de s'arrêter. Il était pas masqué, quoi. Vous l'avez pas reconnu. Ah, vous savez, bah, des visages comme lui, il en existe 36 000. Hein. Vous avez un refus de tempérer ensemble. Il est parti en prison. Alors, sortez-le de la voiture et mettez-le à côté de moi. J'enlève mon chapeau et on va aller dire qui est qui, d'accord? Ah, mais c'est ça, vous connaissez les gens quand même. Ah, mais non, en fait, de vrai. On est tous jumeaux. Je reconnais pas en vrai. Ah, pas jumeaux. J'ai pas d'amis ici. Madame. Ah, il veut ta carte d'identité, pardon. C'est bon, il est tout seul. Vos gamins, s'il vous plaît. Bien sûr, tenez. Vous l'avez reçu, monsieur l'agent ? Oui, parfait. Vos gamins, s'il vous plaît. Merci. Les panneurs de civils. Bonjour, est-ce que vous avez d'ailleurs un plateau disponible ? Ah bah il est plus possible. Ah bah plus de dépanneur. Monsieur, je vous renvoie papier. Ouais, merci. Vous de même. Merci. Du coup, monsieur, si je vais repartir à pied et votre véhicule va être saisi jusqu'à la prochaine tempête. Jusqu'à la prochaine tempête. Suite au refus d'obtempérer et après une tempête. D'accord. Mais c'est pas normal. Refus d'obtempérer, ça marche. On a été victime d'un refus d'obtempérer. Logiquement, madame, logiquement, c'est une destruction du véhicule sur refus d'obtempérer. Vous nous déposez une ou pas, monsieur l'agent? Parce que c'est bien gentil, mais. Là, étant donné que le propriétaire n'était pas consentant pour le refus d'obtempérer, on va pas la détruire.
On va simplement la mettre en fourrière. D'accord. Ouais, ouais, non, mais y a pas de soucis, mais madame. Non, les armes, les armes que t'as mis dans le coffre. Quel con. Je laisse le véhicule de votre activité à pied. Alors, ça, mais du coup, vous pouvez nous déposer quelque part. Le fusil d'assaut. Ouais, non. Non, là dessus, je peux pas, mais je vais aller dépanner. Allez. Attention, monsieur l'agent, à bientôt. Vous pouvez nous déposer, hein? Non, bah il doit attendre le. Soyez prudent, monsieur Viper. Oui. Réfléchissez avant d'agir. Bah, avant d'agir, j'ai rien fait, c'est lui qui a agi. Il veut pas comprendre qu'on est victime. Oh là là. Vous allez jusqu'où comme ça? Ouais, jusqu'à Union. À Union. Bah moi je reste dans ma cellule quoi. Ah bah alors il m'a dit d'arrêter. Au revoir. Tu suis? Viper? Ah oui, je suis juste derrière toi à ta gauche. Ah, excuse-moi, je suis athlétique. Comme par hasard, il court derrière un peu toi. Plus lent. Bah disons que je l'ai attendu parce qu'à un moment je lui ai laissé une distance donc. En fait, c'est quand je m'échauffais. Faut bien être galant. Hein. Je te pousse dans les arbres. Par contre, tu pourrais éviter de me donner des coups de coude. T'es encore là ou t'es resté? Ah, t'es là-bas. Non, je redescends. Ouais, j'ai dévié la montagne pour essayer de gagner de la distance, mais je suis derrière toi. Elle descend de la montagne à cheval. Descend de la montagne, lui, à cheval, je me demande où il est. Je vais où là? À gauche. Enfin, je ne sais pas où c'est. Non, mais va à gauche. La partie de Sprinter Rocket War. Voilà, dans Valoche. Y'a quelqu'un? Bonsoir Alexis, bienvenue. Oui. Ah. Comment vas-tu? Ouais, t'inquiète pas. Putain, on se balade qu'en voiture en haut. Eh oui, et on sort que c'est nous direct. Il va se passer n'importe quoi sur l'île et ils vont partir chez nous. Il a réussi quoi? Bren 100 000, il a dit.
Bonjour monsieur, vous voulez jouer des pauses? Bonjour, ouais, je veux bien, oui. Bah non, c'est pas droit. T'es méchant là. Oh non, le là t'es méchant. Je rigole, je rigole. Ah bah y'a la police qui t'attend. Ah oh, je l'ai écrasé. Ouais, oh, je l'ai écrasé. Bah oui, tu l'as écrasé. Ah bon? Ah oh, merde. Montez, montez. Je voulais faire... C'est pas possible, là, pète les couilles les gens comme ça. Mais je voulais faire une blague, mais... Je voulais... Montez, monsieur. Montez, montez, montez. Montez, allez, montez. J'allais faire demi-tour. C'est fermé. Ah, c'est bon, merci. Ouais, moi ça va, Alexis, ça va. Mais je vous ai pas touché. Hein. Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi votre rib? Comment? C'est quoi votre rib? 41-43. Tenez, je vous ai donné 5 mises. Ah, merci. Vous êtes à droite ou à gauche là? Quoi, tu veux dire? Comment? Dans la voiture? Eh, il est derrière, il est où? À droite, à gauche? Il est derrière, ah, de ton côté. À gauche. Excuse-moi, mec. Ah non, c'est là-bas. Excuse-moi, yo, mec. Oh. Ah, je te dépose là pour que tu ailles chercher un de quoi te soigner. Merci beaucoup. C'est où c'est? Merde. Oui, oui, je sais où c'est. Ouais, bon courage. Merci, bon courage. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bonne soirée. Le pauvre. Mais non, mais je voulais le prendre, mais en fait, je crois que j'ai accroché son pied. Ah, c'est ton côté pilote. Ouais, c'est surtout le côté. Oh putain. Oh. Le stop. C'est reparti. Tu vas pas repartir en refus d'op, j'espère. Non, non, non. Non, il va se garer. Je me gare où? Bon, restez là, restez là. Ah non, 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 bah non, 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 avec les problèmes, on va. Non, non, ça va aller. Alors, hein, reculez, j'ai une grosse voiture, reculez, allez, allez. Reculez, reculez, dépêchez-vous. On dirait Pac-Man. Il va manger le fantôme. Il est grave. Pourquoi on se fait encore contrôler? Mais parce qu'il a pas respecté le stop. Allô, Jordan, ah, bon, attends, je te rappelle, je suis en contrôle parce que ils ont grillé un feu rouge. Je suis à Union. Allez, il va se descendre du véhicule, monsieur. Ouais, c'est pas moi. Bon, j'ai que vous connaissez monsieur du contrôle. Non. Non, votre avis? Bah, j'ai évité. Est-ce qu'on fait un feu rouge? Bah, on s'arrête. Mais clignotant. Non, ça arrête. Vous arrêtez pas. Mais clignotant. Vous avez arrêté, non? Non. Vous avez freiné? Ah bon? Ah bah, je pensais qu'il y a pas ça qui a pris la place de la route. Ah bon? Dis donc. Je vais juste me monter une quinta, c'est capable de me conduire, s'il vous plaît. Oui. J'ai mis conduire, il y a mon nom dessus. Fait. Vous avez une quinta également? Bah, il y a mon nom, c'est une carte d'identité. Ah, non, c'est un permis de conduire, moi j'ai une quinta également. Salut. Merci. Vous avez 3 gilets jaunes, c'est qu'un triangle, s'il vous plaît, me pointer. Bah, le gilet jaune, c'est la voiture. D'accord. Vous avez des gilets jaunes? Oui, je crois, j'ai des gilets jaunes. Oui, attends, je te mets ça dans le coffre. Je vais mettre dans la voiture, je vais regarder dans mon coffre. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Tiens. Monsieur l'agent, du coup, j'ai une chaise. Attendez, je déplie parce que y a tellement de bordel là-dedans. Là, j'ai une table. Là, il y a une table. Attendez, hein, je déplie parce que j'ai des choses. Ah, j'en ai un là. C'est le coffre. Et c'est tout. Et tout, il en manque un. Bah, je pense, hein, il n'y a pas d'autres gilets. Hein. Madame, vous avez un gilet? T'as un gilet jaune sur toi ou pas? Enfin, dans ton sac? Ah, attends, je regarde. Yep. Oui! Mets-le dans le coffre de la voiture. Mets-le dans la voiture. Qu'est-ce? Tiens, passe-le-moi par l'arrière là. C'est bon là, non? Voilà. Bon, monsieur? Parfait, nickel. Bon, on peut pas récupérer du bout de bordel. Ouais, hein. Allez-y, ranger s'il vous plaît. Non, si je range à la radicale, allez-y, ranger. Ça y est, tout de suite tes menaces. Non, on a tout déballé, c'est pire que la douane quoi. Oh bah j'ai demandé qu'un gilet jaune triangle, moi. Oui, bah ouais, faut que je chouille, hein, écoutez, et tout est derrière. Si vous organisez mieux, ça aurait été plus simple.
Oui, bah vous avez qu'à respecter le feu aussi. Qui ça? Hein? Le quoi? Je suis arrêté là, j'ai l'impression. Non bah non, c'est vous, vous êtes mis devant moi. Ah ouais. Bon. Oui. Petit. Oui. Ouais, vos fameux, fameux procès verbal quoi. Ouais, ça marche. Bah écoutez, on verra ça plus tard. En tout cas, merci. Yep. Ouais, pas de soucis, pas de soucis, mais je vais quand même vous pointer du coup une amende de 30 000 euros quoi. Ah, mais vous êtes pas gentil quand même. Pour un oubli de clignotant? Pour un oubli de clignotant. Ah, mais il a vite oublié son clignotant. Bah, franchement, tant mieux. Ah, il a vite oublié son clignotant. Merci à vous. Oh, ça, ça va. Alors, ça, si ça arrive jusqu'au bout. Non, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Au revoir. Au revoir. T'as payé? Bah oui, j'ai payé, j'ai pas le choix en même temps. C'est vrai qu'on pouvait plus. Elle était morte. Bon. Bon, on va chercher Titi. Okay, quelle est la prochaine connerie que tu vas nous faire, bordel? Quelqu'un appelle Thibaut sur son téléphone, voir s'il est en prison. Ouais, je vais voir. Attends, je l'appelle. Thibaut. Je crois que je l'avais en plus déjà en numéro de téléphone. Je sais pas ça. Bah oui, je l'avais déjà en téléphone. Ah, c'est putain, échappe. Voilà, il va partir au moins pour 30 ans. Hein. Ah bah là, il a un sacré moment, ouais. Oh là là. Bon, on le revoit plus, quoi. Oula. Encore non, pour il nous a pas l'air de répondre, Thibaut. Non, non. Ah, il répond pas, Thibaut. Bah, il est encore commissariat, je pense. Ouais. Ah, et là, il a pas oublié le clignotant. Il répond pas mais il va aller en prison logique. Ouais mais est-ce qu'il est pas déjà? Ah ça je peux pas te dire. On peut toujours savoir. Tu les appelles? Un petit? Non, non bah non je vais pas les déranger pour ça, il veut pas me répondre. 125. Bonjour. Bonjour, il y a quelqu'un? Oui, bonjour, c'est vous qui s'occupez de la prison? Ah, bah ça marche. Désolé, bonne journée. Bah après, si tu appelles les agents de sécu sur leur fréquence. Sécurité civile. Bonjour, est-ce que vous répondez à ma question, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez fait un cherche mon ami, monsieur Thibaut Chancès? Est-ce qu'il est, vous l'avez déjà transféré à la prison ou il est à la prison ou pas? Pour savoir si on peut le rendre visite au parloir et tout. Ah, bon bah tant pis. Bon bah ça marche, bah bon courage. Il est parti pour combien de mois, vous savez? Monsieur? Il est très bon plus. Monsieur! Bah en tout cas, vous êtes pas très aimable. Hein. Je vais mettre moins une étoile sur TripAdvisor, monsieur. Au revoir. Il est en quartier haute sécurité. Bah oui, bah c'est pas étonnant, il s'est évadé à la base. Du coup, il a. Pouf, il a 5. Évaluation de prison, c'est quoi? 10, 15? Ça fait 20. Non, c'est deux fois la peine, donc ça fait 5, ça fait 10. Je crois que ça doit faire 20. Plus là, un refus d'obtempérer, ça doit faire encore plus 5. Il doit partir pour 25. Possible. On va où? On va là-bas ou? Je sais pas. Est-ce qu'il va s'évader? Ah non, il peut pas s'évader. 25 minutes, non, on peut faire d'autres choses en attendant. Tu veux faire quoi?
Attends, je dois rappeler Jordan. Oui, dis-moi. Ça va et toi? Bah rien, je me balade là. Ouais, je suis avec Viper et Chloé. Pourquoi t'es tout seul? T'es où? Vas-y, j'arrive. Ah. Ok, bah ça marche. Bah vas-y, bah tout à l'heure. Tu veux faire de la F1, Chloé, ou pas? Allez, allez. Comme vous voulez. Va au circuit une fois. Sinon, on peut aller voir déjà le conseil, qu'est-ce qu'il y a? Comme tu veux, pour si Chloé veut y aller, moi ça m'est égal. Tu veux voir, t'as déjà vu des concesses? Oui, elle a déjà vu, oui. C'est là-bas, on a croisé Thibaut en début de en début de journée. Avant tous les problèmes. Bi, là, coup de frein main. Et la tabac de nouveau. Voilà, je repars en fidop, hein. J'ouvre le coffre, j'ai toutes les tables et tout. Moi je suis un pilote, faut pas que j'ai pas de répercute. Non, je crois qu'elle a assez vu la police aujourd'hui, Chloé, non? Non, va. Ça va encore? Ah, on peut encore aller voir, là. Ils nous ont un peu dans le viseur, non? Les gars, hein. Ça les occupe. Ouais. Faut qu'on les rende dingues, un peu. Bon, après, si on s'amuse, c'est l'essentiel. Allez, on va prendre... Y'a personne qui habite à Gatewood, là? Non. Moi, c'est Victoria. Oh, oui, c'est ma voiture ici, là. On va la voler. Quoi, tu veux qu'on s'amuse avec des F1 dans V-City? On sera tous en ville avec les voitures. On l'avait fait un coup, ça, ils sont devenus fous. 7 F1 qui se baladaient dans. Non, mais là, ils vont jamais réussir à rattraper. Bah, ils ont réussi à rien faire. C'est où qu'on les loue? Non, c'est pas là, c'est à l'autre circuit, c'est au grand. Ah oui, c'est vrai, putain. Si t'es en F1, tu peux te faire arrêter du coup? Oui. Bah ouais, oui, parce que tu roules avec un véhicule non homologué. Ah oui, ok. Ah bah vas-y, ça me tente. Ah, pour les sortir, par contre, c'est délicat. Hein. C'est une technique qu'il faut avoir. Et on peut être deux dans la Formule 1? Non, par contre, c'est quand même une Formule 1, c'est une seule personne. Bah ouais, je sais, mais du coup, ça va être compliqué. Et me faire choper direct. C'est pas drôle. Bon, c'est un contrôle total, c'est une amende. Donc, tu es au commissariat, mais t'as pas de prison. Et après, il détruise le véhicule. Ouais. On s'en fout, c'est de la location. Bon, bah, on sait que t'es en quartier tout sécurisé, que tu peux pas parler. Bah non, c'est con, de toute façon il a pas la radio en fait. Ouais. Ils sont devant. On suit, hein. Bon. Un défi. C'est pas là la route. C'est toi, on peut prendre la salle à gauche, mais c'est pas grave. Toutes les routes mènent au Rome. C'est pas le tower. Oula. Oh là là. Je t'ai vu t'enfoncer dans le sol. Ah, j'ai vu. Oh là. Je me suis vu dans le mur. Les gens. Bonsoir. Ah. Ils sont ouvertes? Au moins, elle est pas à notre nom. Ah, l'autre non. C'est pas grave. Vas-y, tu peux monter.
fin mars. Ah, j'ai pas assez sur moi. Là. Non. Ta 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 ta. Ah, petit, tu peux récupérer celle-là? Attendez, je teste. Je crash teste. Ah, mais il faut que je te donne les clés. Ça coûte combien une F1? C'est 100 000. Ah, la vache. Tu me dis quand je peux sortir l'autre? Vas-y, vas-y. Bah où? Je vais cacher la voiture. Viper, t'es où? Je suis devant toi. J'ai allumé tout, il vient de le tout éclouer. Oh merde! T'as cassé? Quoi? Je me suis pris un arbre. T'as cassé? Ouais. Attends, j'arrive. Ah, oh, retour, pas bien. Je me suis pris un arbre, je l'ai pas fait exprès. Descends juste du véhicule, 2 minutes. Parce que pour réparer, il faut que tu sois toujours en conducteur, d'abord. Voilà. Maintenant, je peux réparer. T'es vers où là? Devant toi. Vous pouvez venir me chercher. Ah, ça va être chaud. On est en Formule 1. Ah. T'as pris combien de temps? Parce que je sais que vous voulez m'évader encore, mais je boite maintenant. On m'a dit, la sécurité m'a dit que t'étais en quartier de sécurité. Ouais, parce que j'ai voulu. En fait, j'ai. Il va pas trop vite. J'y étais pas. Donc j'ai voulu sauter les murs là. Je me suis fait mal à la jambe. Attends, j'arrive à te chercher avec la F1. On fait quoi, Viper? On y va avec la F1? Bah, ça sert à rien, tu veux qu'on l'emmène où? Il y a qu'une place dans la F1. Bon, bah, je suis bloqué, je crois. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai passé le premier donut, mais j'ai pas su passer le deuxième. Ah oui, mais il faut y aller doucement. Non, mais j'ai pas cassé, hein. Laisse en marche arrière. Non mais là il est un peu tard, j'ai l'avant qui est bloqué. Non mais ça passe des fois, t'en fais pas. Voilà, qu'il y en a qui vient de me pousser. Attends.
c'est bon. Thibaut, tu nous rejoins, on prend chacun un F1. Ouais, je vous rejoins. Vas-y, vas-y. Viens, il y a un bus, il y a un bus qui fait comment ça s'appelle? Il y a un bus qui fait prison Manhattan. C'est bon, j'ai réussi à débloquer. Ah, par contre, ça va faire un peu le tour maintenant. Bon, bah moi je vous attends à la sortie du Dodan. Hein. À toi, en train de un peu familiariser avec la F1, Chloé. On peut y aller, sûr. On sera à droite là, Chloé. Elle conduit aussi une F1, Chloé? Ouais. On en a, une chacune. Mon dieu. Eh oh. Bien, on va au conseil, on demande s'il les rachète. Ça tombe, on va les vendre 100 millions. Chloé. Regarde comment je fais. Ils ont oublié de me verbaliser pour le défaut de permis. Donc ils m'ont verbalisé à 450 000 euros. Et j'ai pas payé la contravention, j'ai fait refuser, puis ils m'ont laissé repartir. Ah ouais, elle est bien ta technique. Hein. Moi j'étais tout droit. Hein. T'accélères d'un coup et ça passe. Hein. De travers. Faut passer de. J'ai été tout droit de travers. T'as pas l'air con là. Oh, attends, ça passe, ça passe. Elle recule. Attends avant de reculer, Chloé, parce que moi je suis pas encore sorti. Oh, t'es un peu long quand même. Chloé, avance. Avance. Vas-y, avance. Stop. Prends un peu de vitesse et t'y vas à fond. Avance. Vas-y, tu prends un peu de travers. Et vas-y. Mais Viper, t'es derrière là ? Non, vas-y, c'est bon, y'a personne, recule, vas-y. Non, mais t'as reculé dans le mur là. Ouais, mais attends, parce que. Attends. T'aurais dû y aller plus vite. On va y arriver. Tu braques pour que tes roues il faut pas qu'ils tombent tous les deux du. Bon là t'es un peu trop près du. Ça me rend ouf. Attends j'arrive. Oh, vas-y je vais le faire si tu veux. Ah nickel, vas-y braque, vas-y. Voilà nickel. Allez recule. Vas-y. Non lâche, voilà. Recule toujours. Ouais là, recule. Je suis à fond là. Ouais, et après tu recules à fond. À fond. Vas-y, recule. Donne un coup de braquage de la droite-gauche.
braque, voilà, nickel. Lâche le braquage, la recule. Elle recule, elle recule. T'es où Thibaut? Je suis au Watergate, je suis au garage là. Voilà. C'est tout vous? Bah là on vient d'arriver à sortir les F1. Tu veux conduire avec nous une F1 en ville ou pas? Bah je joue sur en moto. Mais... En moto? Tu veux pas prendre une F1 Formule 1? Bon, la flemme de descendre jusqu'en bas. Vas-y, on se rejoint à où? Bah attends, nous on va essayer d'aller au concess, je pense. Vas-y, je vous rejoins. Ah, avance plus, parce qu'il y a encore des deux dans la passée. Oh, y a plus là les voitures à l'aéroport là. Par contre, le moindre truc que tu casses, hein, il faut faire attention. Ralenti. Ah, je crois que tu t'avais raté. Je sais pas si ça va passer. Et tout droit, ça passe pas dans le bon sens? Eh putain, je suis passé le dernier, je prends la petite bordure, je casse quoi. En marche arrière sur le trottoir, Chloé. Ah, faut que ton véhicule soit totalement sur le trottoir. Ouais, comme ça passe aussi. Il va se rater. Attention, le pont, il faut aller doucement. Sur le pont quoi? Là au début du pont, il faut faire de gaffe. Vous êtes où là? Bah là, on va vers le. C'est bon, on est sorti, on va vers le concess. On va essayer de vendre les Ferrari. Ah, par contre, sur les ponts normaux de l'île, il faut juste faire gaffe aux bits au début. Faire gaffe où? Au bit qui sort du sol, tu les connais pas encore, c'est vrai. Non, parce que ça accroche n'importe quoi. Hein. Bah, je vous vois. Et tu prends le. Et t'imagines, toi, le pont de se nicasser avec la Ferrari? Oh la dinguerie. A fond, tu t'atterris dans Vernon dans l'eau. Non, ça, je suis sûr à 100% c'est Chloé ça. Wow. Oui, ça c'est Chloé ça. Ah oui, ça c'est Chloé ça. Comment elle conduit? Je l'ai. Tu nous as suivi ou pas, Chloé? Ah oui, je te vois, vas-y. Non, là, attends, t'es sur le trottoir. Sur le trottoir et tout, là. Oh là là. Eh, ça va. Ah, je suis sur ta gauche. Vous êtes où là? Attends, y'a Chloé qui arrive là. Oh, elle a vu un mot de tête, je vais me la prendre. Ouais, c'est normal, y a tous les. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle nous fait là? Elle est partie dans l'autre sens? Non, c'est qu'elle a des mots de tête là. Ok. Ah, c'est la zone concess, c'est pour ça. Oui, j'arrive. Oh les écarts que tu fais mon dieu. On est rentré dans le parking à droite. Attends mais c'est ici moi que j'ai volé la minute. Ah oui. Non, on se garde. Ouais, j'ai quoi ces voitures? Bah non, moi je reste là-dedans, ils ont déjà envoyé un message je suis sûr.
Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Il t'en dit quoi? Ça va, ça va. Et vous? Ouais. La journée se passe bien apparemment. Oui, ça se passe bien, on se balade, on fait une petite promenade. Oui. Belle promenade en tout cas. Magnifique. Demande-lui combien il rachète les voitures. Combien vous les rachetez? Parce que elles sont uniques, hein. Vous en aurez pas des comme ça dans votre garage. Ah, elles sont à vendre? Ah ouais, elles sont à vendre. Hein. Elle a combien l'unité? Je sais pas, combien... On vous a ramené des éléments de déco pour l'entrée. Ah bah franchement, avoir ça en élément de déco dans la concession, j'adorerais. Vas-y, mets-toi comme toi de l'autre côté, ils vont faire une photo là. Hein, mets-toi comme moi. Ouais, attends. S'ils arrêtent de bouger, ça serait pas mal. Ça, c'est à prendre en photo. T'as déjà vu un concession avec des formulaires devant? Non. T'as déjà vu ça? Et je le sens pas là, attends. Jean-Claude, elle va tout faire exploser. Au pire. Ah, seigneur. Chaud devant. Ouais. On va à Union. Yep. Maintenant que je me suis garé, vous dites ça? Ah ouais, c'était une épreuve. Vous méritez que je rentre dedans. Ouais, t'inquiète pas, même sans faire exprès, je vais le faire, j'en suis sûr. Oui, oui. Laisse tomber, ça part en pilote tempéré avec la flic, celle-ci, dans 2 minutes après, il n'y a plus de flic. Hein. Tu m'es cloué derrière. Bah oui, je suis sur le côté, imbécile. Oh là là. T'abuses. Oh là là. Mais je t'ai pas touché. Mais tu m'as juste touché. Ah, mais ta moto. Ah, il m'a pété ma moto. Il y a eu un problème. Il y a eu un problème. J'ai eu la formule. Il y a eu un... oui. Il y a eu un problème. Mais ta moto, tu m'as éclaté ma moto. Mais ta moto, elle a éclaté. Oh là là. Bah, un peu de moi. Bienvenue à toi Moody, bienvenue. Si Viper, par contre la glissade que t'as fait sur les deux roues. Oui ça j'ai vu. C'est stylé hein. Quelqu'un a besoin de soigner ou pas? Je suis gravement blessé. Oh là là. Tant pis. Ah ça c'est gentil ça. Et il m'a enquillé l'arrière là. Ça, Mais petit, j'ai fini sur le côté, sur le dos. Il m'a défoncé le cul de la moto. Je vous ai passé loin de vous, arrêtez, je vous ai dit, je vous ai pas touché. Que passa? Par contre, j'ai plus de repères qu'il faudrait peut-être en reprendre. Bah, il y a la station à côté là. Avec le refus de tempérer, laisse tomber, hein, on va pas être plus loin. On va prendre des repair kits au cas où. Oh non! T'as encore cassé? Non, ça va, mais j'ai pris. Mais vous allez vite, c'est bon. On est à la station. Elle se bouffe tous les trottoirs qu'elle voit, ça. Elle va partir en hauteur de poignet, elle va faire 100 mètres. Là, on est sur ta gauche, là. Par contre, là, on t'attend, mais quand il y a les flics, on t'attend plus. Hein. Ah bah merci. Oui. Tiens attends, je te donne un repair kit dans la voiture, je le mets. Tiens voilà, je t'ai mis un repair kit dans la voiture. Attends. C'est bon. Je peux le prendre dans mon sac le repair kit? Ah ouais. Attendez, faut que je mette de l'essence. Bonsoir, là, ça. C'est quoi ma plaque? Bonsoir à toi, pour tout le monde. Ludo. Allez. Moi j'ai mis celle du bas. J'ai mis celle du milieu. Et moi celle d'en haut.
ça dégénère, ouais. Déjà Chloé. Déjà Chloé qui sait pas conduire. Attention au rond-point, il y a une bagnole DP et tout là, mais personne à côté, il répond pas. Attends, petit Chloé, elle est pas encore dans son véhicule. J'ai peur que les filles qui nous attendent sortie du pont, comme on les a. Ah bah y'a un DP qui arrive quand même avec. Bon, s'ils arrivent, je me barre. Je sors du véhicule, je dis ah ouf. Fais gaffe juste à l'entrée du pont, hein, tout doucement. Attends. J'arrive au pont là. Premier arrivé de l'autre côté, tu vois gagner. Ah, tu me rattrapes fort. Bonsoir Ludo, bienvenue. Femme au volant, ouais. Le frein main qui attends, j'ai gagné là. Ouais, mais j'ai freiné à fond. Là, j'ai gagné, mon gars, laisse tomber. Oh. Oula, 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 oula. Quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Bah, elle s'est envolée sur le pont. Il a quoi? Il a fait des cascades. Il est parti où là? Il est là, mais sa Formule 1 elle a volé. Ah ouais, bah, j'ai voulu la retourner, elle est partie dans les cieux. Ah, attends, mais tu peux réparer, elle est bloquée. Ah, mais elle a disparu carrément là. Ah, c'est sa Formule 1? Bah, à la vitesse où elle est partie, je crois qu'elle doit pas être loin de va Mars. Chercher. Hein. Va chercher, Thibaut, parce qu'il y a des mecs qui sont imprimés. Cours, Viper, cours. Attends, il vient de chercher ce que le mec avec la. Viper, le dernier arrivé d'une. Ouais, ouais, moi je fais du 10 km/h, toi tu fais du 400 km/h avec ton véhicule, t'es bien oui, gentil. Ouais, bah elle roule à 30 avec, hein, sinon je peux pas. En vrai, je préfère conduire une moto. Au pire, sinon, ce qu'on fait, bah, Viper, Thibaut. Ouais. Thibaut prend, donne la moto et toi tu prends la Formule 1, Thibaut. Non, mais sinon, je monte derrière Thibaut et Viper, je prends la Formule 1. Vas-y. Parce qu'elle va. Qu'elle tu veux pas t'amuser avec Thibaut? Avec qui? Avec la Formule 1. Ah. Eh oh, oh. J'ai pas la Formule 1, j'arrive pas à conduire avec. Bah, ça t'apprend comme ça, ça serait bien. La dernière fois, tu les as quand même manqués, non? Bah, ouais, je me suis mangé, ouais. C'est qui conduit du coup? Les Reapers! La Formule 1? Ouais. De toute façon, il y a des partout, ouais, je suis en train de réfléchir où est-ce que tu peux aller pour semer les filles pour pas. Non, mais il faut que tu prennes Peritonia ou un truc comme ça et après la. Quand je fais une roue arrière, j'ai l'impression que Chloé a bouffé le goudron. Tu fais quoi? Bon, on va où à Union? Tu vas appuyer le goudron. Vas-y, je te suis. C'est pas qu'une impression, hein. Et vous faites les journalistes. Comme ça, s'ils sont arrêtés, moi je dirais oh, je savais pas. je suis là. Oh lolo, il y a des soucis. Mais je vais mourir en moto, quoi. Je serais même pas morte en Formule 1, mais en moto. Mais tu fais une grande ligne droite de QGDP, c'est fini. Et tu les vois plus, après tu sautes de la F1. Ils sont des panneurs devant. Enzo, t'as besoin de mode. Ouais. Y'a la police devant ou pas, Enzo? Tu peux répéter, on a rien entendu. Il y avait la police devant ou pas? Elle est derrière toi.
Ah ouais, à ce point là. Je pense qu'il faut faire demi-tour. Viens, on va dans le virage au fond, on fait demi-tour. C'est bon, ça passe après. On dit qu'ils arrivent, on y retourne. Comme ça, et après on retourne sur l'île, et après on fait QGDP Union. Vas-y, go. Pas doucement, hein. Ah, ça va. Attention, le véhicule devant. Oh merde. Ne cassez pas sur toi. Trop tard. Prenez votre temps, vous deux. Viens à l'aéroport me chercher. Alors, on peut pas là. Ah putain, puis il y a la BAC. Il y a la BAC qui te suit. Hein. Elle tape des roues, Chloé. Il est où? Merde. Ah non. Non, non. Ah putain, oh putain, je crois. Ça sent la merde. Oh putain, j'ai eu chaud. Oh putain. Oh, tu parles, ils m'ont vu courir. C'était sûr, le panneau, c'était sûr. Ah, parfait. J'ai pas besoin de descendre. On peut repartir. Et si tu veux, bonne journée. Ah, c'est sûr, Eury, il a pas servi à grand chose. C'est sûr, vous conduite, il a servi à grand chose. Hop, je laisse aller vers mon oncle, la police. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai votre carte de police dans ma poche, d'après moi. Ah oui, non, mais ça, je me tentais en descendant. Vous pourrez ajouter le bouton en dehors des routes, hein, pour monsieur, là, ouais. Non mais c'est voilà, parce qu'en descendant du véhicule je vous ai balancé ma carte, je sais pas pourquoi. Hop, sur votre tête. Ah ouais. MED aussi, vous pourrez mettre MED devant une moto. Ouais. La totale d'un repli de poids. Ah, je perds le permis. Vous êtes fait choper? Ah oui, un dieu, mais c'était pas long, mais c'est je pense qu'ils prennent plus que ça. Oh là là. Les DP ils prennent pas les Formule 1, ça passe sur un plateau. Entends-toi, regarde, tu nous entends mais ils peuvent pas répondre sur ma note. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bah alors Viper, on sait plus conduire une Formule 1. Ah Chloé. J'ai bien fait de te laisser la conduire hein. Classique avec MED. T'es sur quel calculateur toi? Ils sont en train de. Le panneau s'en rappelle encore, oui, ça oui, pour s'en rappeler, oui, il s'en rappelle. Ludo. Tu me dépanneur. À bon contrôle à vous hein. Au revoir. Encore la
balle qui a pour votre frappe. D'accord, ouais, bon courage, connard. Au revoir. Ah bah moi aussi, mais d'ailleurs, voilà. Du coup, monsieur, c'est pas votre nom. Non, ils m'entendent pas comme ça. Excusez-moi. Oui, c'est quoi votre nom, s'il vous plaît ? Viper. Merci, à vous. Et votre nom ? Adrien. Ok, alors du coup, monsieur Viper, il est 10h57, vous êtes passé en garde à vue, prévient le silence. Merde, je pensais que vous alliez l'oublier. Vous avez le droit à une assistance médicale de peuple avec l'exigence de boire et de manger. Moi, vous n'avez pas le droit à un avocat, mais complètement. Vous êtes sur les lieux, vous avez complètement vos droits. Oui. Vous souhaitez un anniversaire ? Non. Ah, bah, c'est parfait. Oh putain. Voilà. Oh, merci. Bonsoir Cédric, bienvenue, bienvenue. Attention votre tête. Hop là, vous avez quoi? Excusez-moi. Ah bah vous avez pas bougé d'avant, vous avez pris racine dans le sol. Ouais, vous avez vu. Hop, du coup, monsieur. Tac. Ça fait plus la tour de l'heure, j'irai. Ok, ça marche. Bah, je vous laisserai. Donc, je vais vous démonter, je vous laisserai présenter une pièce citée, un permis de conduire, le contrat de location de la Formule 1 également, et puis par la suite, vous pourrez passer personnel sur le sol. Est-ce que c'est quelque chose de dangereux et illégal à déclarer? Négatif. Parfait, je vais le faire. Et pas petit papier. Non, j'ai plus du tout. Hop. Ah, ils sont dans le. Ah, ils sont dans. Ah, ils sont dans le sac, ouais. Mes papiers. Ça marche, je les récupère. Merci. Hop. Nickel. Oui, c'est la deuxième fois que je vais faire. Vous faites de la moto, vous avez un casque ou c'était pour la... Non, je fais de la moto aussi. Je serai... Je vais poser des fouilles corporelles. Ça marche, nickel. Moi, c'est tout bon, vous pouvez récupérer vos affaires. Merci. Hop, je les ai remis vos côtés. Merci, Ludo. Ne bougez pas. Plaque. Non, ça c'est joué ici, voilà. Du coup, monsieur, l'origine de contrôle, c'était le véhicule non homologué. Oui. J'imagine que vous vous doutez bien. Ah bon, on n'a pas le droit de rouler sur route avec ça. Bonjour. Bonjour. Ah, ça m'entend pas. On n'a pas le droit de rouler sur route avec ça. Ah non, pas avec ça. Non, c'est marqué au niveau du circuit. Vous n'avez pas le droit de sortir de l'enceinte. Ah. Il y a un panneau qui explique cela. Et puis d'autant plus, vous n'avez pas de plaque, pas de feu. Ah bah on est en plein jour, donc les feux servent pas à grand chose. Ah oui, mais cependant, ça reste obligatoire. Pour être homologué, il faut une plaque et clignotant au minimum. Et des feux aussi. Ouais, il y a certaines motos, elles ont pas de clignotant, elles sont homologuées sur route. Mais il ne faut pas rouler de la nuit avec. Oui, mais c'est pas logique. Pas logique, mais c'est tout. Ah ouais. Mais cependant, par contre, ces motos-là ont une plaque. Et pas la F1. Exactement, ça c'est vrai. Et dans tous les cas, de manière. Oui, dans tous les cas, une F1, après, une F1, c'est logique. C'est... Voilà, c'est. Globalement, plutôt fait pour le circuit, pas pour la route. Du coup, vous avez reproché une conduite dangereuse, une conduite en dehors des routes, une mise en danger de la vie d'autrui. Est-ce que vous avez croisé une moto de façon assez proche de ce que j'ai pu comprendre? Ah bon? Moi j'ai pas vu de moto, hein. Elle a dû avoir un souci de cerveau et vous avez cru voir, mais moi de mon visu, il n'y avait pas de moto. Constaté, c'est mon collègue. Ouais, c'est mon collègue qui nous l'a dit. Donc je ne pourrais pas vous dire. Un non-respect de la destination, un refus d'obtempérer. Et donc, je suis le véhicule non homologué. Ce qui, alors, pour l'instant, vous ferez une amende à 335 000. Non, c'est à 80. La capa, sûr. 80. Ah, pardon. Donc, vous aurez 335 000 euros d'amende et la saisie de votre permis de conduire. Donc, on va juste... Ouais, j'ai suivi. Il nous déclare que c'était peut-être un souci de l'île. Il a pas eu ça. Au niveau du croisement, faut le chercher à l'aéroport, c'est ça? Oui, merci.
Au niveau de l'aéroport d'Eden, il y avait une moto qui était stationnée sur le bord de la route avec deux individus et vous les avez frôlés apparemment de vitesse. Ah, moi j'étais sur la route, le seul moment où j'ai quitté la route dans ces zones là, c'est pour éviter votre collègue qui est en train d'hercer la route. Ah. Bon, ouais. Bon, mon collègue. Mais je sais pas comment faire! C'est ce qu'a dit mon collègue, moi c'est pas nous qui avons constaté. Donc... Si on ne croit pas ou. On va prendre pas vous aider. Mais comment? Comme je l'ai dit, donc ça fera 335 000 euros. Est-ce que vous avez le moyen de payer, monsieur? Enfin, c'est ce que je fais, je comprends pas. Hop, je sais pas ce qu'il fait, la verbalisation. Hop. Tu peux pas piloter tout seul? Oula, ça explose. Ah, ça doit être vos collègues, ils savent pas conduire. Ou Harry, peut-être. Oh, je vous... Mais comment? Ouais, ils vont bien, vos collègues, n'inquiétez pas. Mais comment? Rallume le moteur de l'avion! Mais comment? Tac, 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 hop, tenez. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je vous renvoie au papier, excepté donc votre permis de conduire VL. Ah oui, mais j'ai pas conduit avec un VL, j'ai conduit avec un véhicule non homologué, le permis où on me le saisissait pas. C'est pas le problème. La F1 normalement, est-ce que c'est pas... Ah, bah c'est pas loué avec un... On loue pas ça avec un permis de conduire? Bah non, on posait pas besoin du permis de conduire pour le louer, la F1. Bon, bah, théoriquement, enfin, dans tous les cas, théoriquement, il faut un casque pour une moto. Et qui dit casque sur l'île, dit permis moto. Donc il dit permis moto. Oh, c'est mal branlé, cette histoire. C'est quoi votre email? Attendez, faites pas une facture, je pas 50 000. Normalement, je voulais déjà retirer, je crois. Je voulais voir avec le lieutenant, ça va couler l'enfant. Que quelqu'un, ça m'a le branlé, si je mais... Voilà. Mec, c'est assez... Vous voyez, c'est assez rare quand même qu'on ait des refus d'op avec des VF1. Pour monsieur Viper, on lui a retiré son permis de conduire pour le refus d'op avec une F1, mais c'est plus permis moto ou permis de conduire? Là, j'ai une... c'est la première fois que je vois ça. Bah, c'est pas un considéré comme un permis, c'est pas comme une voiture à la base, donc c'est un peu délicat votre système. Bah, le truc, c'est qu'on n'est pas. Franchement, on n'est pas. Parce que légalement, il y a eu logique, il n'y a aucun permis, vu qu'il n'y a pas besoin de permis pour la conduire et que légalement, elle dispose d'aucun permis. Pour la louer, on a besoin d'aucun permis quoi? Non, vous n'avez pas besoin de permis de conduire pour la louer, ah, c'est comme le karting. C'est vrai qu'en soi, il y a quelqu'un? Oui, on est en avion, on a atterri à côté de l'extérieur. Ah bah bon, excusez-moi, vous pouvez venir me chercher parce que là, ça va pas du tout, là. Il est fou. Non, c'est pas fou, un FUDOP en auto-école, c'est un FUDOP, et même si... Et soit un karting, c'est pas un véhicule, c'est pas un véhicule léger, c'est une autre catégorie de véhicule. Donc au niveau des permis, c'est lequel prendre? L'infraction, c'est pas refus d'obtempérer un véhicule léger, c'est refus d'obtempérer qui implique la suppression du permis. Oui, mais le problème qui se pose, c'est que justement, le permis qu'on m'enlève, c'est un permis voiture, donc véhicule léger. Alors que j'ai très bien un permis moto et j'ai très bien un permis de conduire camion. Mais pourtant, le véhicule que j'ai utilisé, il faut aucun, ah, enfin, y a aucun permis. Ça, que le... Votre Formule 1, c'est pas un camion. Non, mais c'est pour vous dire que la Formule 1, il n'y a pas de permis de conduire qui est adapté à ce véhicule. C'est l'idée, ça. Comme pour la louer, on n'a pas besoin du permis de conduire. Vu qu'il n'y a aucun permis qui est possible avec ce véhicule. Oui, mais c'est pas pour autant que... C'est de la même façon que si vous conduisez... J'ai pas d'exemple, là, comme ça. Voilà, c'est ce que je vous dis, vous avez pas d'exemple. Après, en soi, c'est un véhicule à 4 roues. Mais le problème, c'est pas un véhicule, il est pas classifié dans les véhicules légers. Non, mais j'ai un exemple continental, pardon. Si vous conduisez bourré sur un vélo, on peut vous retirer autour d'une voiture. Ah, oui, oui, ça c'est faisable sur le continent, mais on n'est pas sur le continent ici. Non, mais je... D'après le code pénal, d'après le code pénal ici, si on me retire le permis, c'est que j'ai fait une infraction avec le véhicule qui est dû au permis de conduire. Ah, le refus de tempérer sur les routes entraîne le retrait du permis de conduire, ouais, qui mais se rapproche le plus de celui qui. Parce que un camion, c'est aussi un véhicule à quatre roues. Un refus de tempérer qu'un mec qui a un... Et si on prend juste l'histoire du continent, on vous retire le permis, on vous retire tous les permis. Oui. Bon, on peut vous retirer tous les permis si vous voulez. Hein. On vous retire, non, on vous retire tous les permis, on vous retire le permis de conduire, le permis désigné, mais on vous suspend les autres permis. Non, c'est un retrait de tous. C'est un retrait de tous. Un retrait? Ah oui, ouais. Sur le continent, c'est un retrait de tous vos permis. Oui, c'est un peu ambigu votre système, hein. Merde, vous m'avez coupé, j'étais en train de dire quoi? Ah oui, un type qui fait un refus d'op en auto-école alors qu'il a le permis. Mais c'est un véhicule léger, le auto-école est considéré comme un véhicule léger. C'est une Clio. C'est une Clio. Oui, mais c'est une Clio qui est considérée dans les véhicules légers. Oui, mais c'est un véhicule qui n'a pas besoin de permis pour être conduit. Votre Ferrari, votre F1, là, c'est aussi un véhicule léger. Bah, je suis pas si sûr que de ça. Hein, mais... Ah, c'est léger, c'est du carbone. Oui, 100 kg, franchement, c'est léger, hein.
Vous savez, c'est un peu ambigu votre système. J'ai une question, sachant que normalement on est d'accord qu'il faut un casse normalement pour, la F1. Ouais, mais pas le. Enfin. Un casse, oui, oui. Bah, du coup, sur l'île, normalement. Après, techniquement, il n'y a rien qui oblige à porter le casque. Tout ce qu'il faut, un casque, c'est permis moto, oui, je suis d'accord. Donc théoriquement, moi, j'aurais pu dire de retirer le permis moto, pas le permis. Oui, mais cette règle, elle est un peu bizarrement foutue aussi. Ouais, enfin, quand on... Oui, et tout qui est ambigu dans cette histoire. Je veux pas être méchant. Si on enlève la F1, on enlève la F1 et les Gator qui sont quasiment inexistants. Bah, les Gator, quad... on les contrôlait un tout à l'heure avec qui il avait pas de casque, il avait le permis moto, il savait même pas que c'était le permis moto et le casque. Hein, mais oui, c'est ça. Déjà, on enlève les Gator et les F1. Globalement, un quad faut un casque et c'est un permis moto. Légalement, je suis pas sûr. Si. Je vous parle. En tout cas, sur le continent, je suis d'accord, c'est un permis moto. Mais si on parle ici dans la logique d'ici, qui dit permis moto dit casque et qui dit casque dit permis moto. Ah, c'est bon, je pars sur un débat avec. Si on suit la logique de l'île, je suis d'accord. Mais après, d'un côté, M. Vaillant a raison, on n'a pas besoin de permis pour la louer. Oui, enfin. Du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait mettre en place que. On a besoin du permis. Voilà que vous stipulez bien dans votre code pénal que. Oui, voilà. Vous êtes sûr certain, monsieur Viper, que quelqu'un qui n'a zéro permis ne peut se louer une F1? Oui, une personne qui n'a pas le permis peut louer une F1. Bon, en tout cas, ça reste comme ça pour l'instant. Donc, rendu fait obtempérer, retrait du permis de conduire, voiture pour l'instant. On en discutera. Ok, bon, on verra. Ok, Je crois que je l'ai saoulé. Vous pouvez venir avec vous. C'est bon. Du coup, c'est bon pour vous, monsieur Aïe? Ouais. On parlerait plus tard, du coup, j'imagine. Ouais. Ça marche. Et puis, en fonction, puis vous me ferez une facture à 50 000, et puis. Bon, trouvez votre permis, mais. Oui, là, j'ai mal foutu ici. Ah. Bonjour, madame. Un très joli, votre chapeau. Bonjour, monsieur. Ah, merci. Bonne journée. Au revoir. Un, deux. T'es là, petit, ou pas? Non plus. Ah mince, je suis pas sur la... Un, deux, vous montez. Voilà la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous aussi vous abonner à ma chaîne pour voir toutes les autres vidéos à travers qui quand elles sortiront. J'ai aussi une chaîne Twitch où je fais des lives. Bien sûr, le lien est dans la description. Je vous remercie encore tous d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée.